de nouveau à Times Square ce matin. Et oui, du coup, j'ai eu mes New York City Pass pour pouvoir faire plein d'activités. Ensuite, j'ai galéré, j'ai cherché un tripod, mon pote que j'avais pété en fait ce week-end. J'ai cherché partout, dans toutes les boutiques. Tous, ils m'ont dit « Ah non, it's online, only online. » Mais je l'ai trouvé chez Best Buy et c'était très sympa. J'ai fait un petit tour à Grand Central avant de rentrer. Cette gare est magnifique. Donc là, je rentre manger et monter la vidéo d'hier. Hier, c'était vraiment une journée super dense. On a marché, je crois, 20 km. On est rentré. Enfin, je me suis couchée direct. Donc aujourd'hui, je suis vraiment crevée. Et sinon, point météo, il fait toujours beau, il fait bon. À savoir aussi que le mois de février, c'est super bien à New York parce que c'est la basse saison. Il y a très peu de touristes, c'est beaucoup plus calme, les prix sont plus attractifs. Bon, et comme voyager, c'est pas que faire des activités ou manger, bien que ce soit très cool. C'est aussi constater tous les petits trucs. Et je remarquais que sur les devantures de magasins, il y avait souvent des box ou des coupes froids en fait. Et ben c'est parce que pendant l'hiver, vu qu'il y a de gros écarts de température, ils mettent ça dans tous les restos pour que t'aies pas froid à l'intérieur. Et toujours pour continuer dans les constats, du côté de East Village, vous avez plein de community gardens. C'est là où les habitants en fait, partagent un jardin, c'est super joli et ça doit être encore plus l'été. Et oui! Nous avons donc, pour récapituler, de la chapelure, du jambon, du fromage, du poulet et des œufs. Nous allons donc faire des croques, monsieur! Des cordons bleus! Improvisation, Candice a décidé de coudre un cordon bleu. Et sur ce, merci Candice pour ce bon dîner. Et à plus tard.